Oui, un match difficile. En première mi-temps, je pense qu'on a été un petit peu trop permissif, passé dans l'intensité par rapport à celle proposée de Tarbes. Après, bon voilà, à la fin, il y a une victoire et on s'en contente ce soir. Eh bien, un match plutôt difficile. On est tombé face à une équipe de Tarbes qui avait à cœur, je pense aussi, de se reprendre par rapport aux performances qu'elles ont fait dans leur dernière sortie. Donc on est tombé face à une équipe qui était très agressive, peut-être la plus agressive que l'on a rencontrée jusqu'à présent. Et on a eu du mal à rentrer dans le match. On a été un petit peu trop permissive défensivement. Je pense qu'en attaque, il y avait des choses à régler. Mais à la mi-temps, quand on rentre au vestiaire avec 43 points, c'est déjà... Voilà, on ne peut pas dire que le gros problème soit offensif, même si notre jeu était peut-être un peu moins fluide. Mais véritablement, le grand combat ce soir a été défensif. Et on a vu qu'une première mi-temps a été plus maîtrisée que l'autre, notamment. Enfin, voilà, la deuxième mi-temps a été plus aboutie de notre côté. Donc par rapport à ça, c'est bien parce qu'on a su s'adapter. Oui, moi je m'attends toujours à avoir une forte résistance. Quand les équipes jouent Bourges, elles ont envie de bien faire, elles n'ont pas trop de pression et bon voilà, et nous il faut que ça fait déjà deux matchs d'affilée, il faut qu'on soit un petit peu plus intense dès le début et notamment défensivement. Quoi. Ce soir c'est défensivement que c'est un petit peu compliqué. On a bien abordé le match, on a respecté ce qui était demandé, à savoir l'intensité en défense et puis l'agressivité, donc ce qui nous a permis de suite de bien rentrer dans le match et puis du coup dérouler notre jeu en attaque. Ah non, on a bien joué. Je suis fier de ce qu'elles ont fait. Parce que depuis le début de saison, je pense que c'est la première fois qu'on pratique un basket aussi plaisant pour les joueuses et pour moi ou nous, le staff. Quoi. Donc c'est vraiment un basket bien engagé. C'est un basket qui a été raisonné. Ça nous a permis d'accrocher un peu Bourges, mais on savait que contre Bourges, on allait avoir du mal. Je regrette juste les 18 pertes de balles qui auraient pu nous faire rester un peu plus dans le match. Et je regrette aussi les 29 lancers francs donnés à Bourges. Qui laisse Bourges complètement prendre le large. Ouais, on a été un petit peu en difficulté en ce début de saison et là c'est vrai que sur ce match-là, même si y a un écart quand même un petit peu conséquent à la fin, il y a quand même de belles choses et puis les matchs s'enchaînent aussi tous les trois jours donc c'est vrai que maintenant on est déjà sur Nantes. On va prendre de nos erreurs et travailler ces deux jours là qui nous restent pour préparer le match et puis voilà.